Chérie, à salam, salam, mère à palais. Maman n'a pas la maman. Balinguito Kabwana. BDH, toi t'es une BDH. BDH, tu le slap. BDH, moi il m'emmène en vacances. BDH. Bonsoir. Bon, de retour pour un nouveau vlog avec la couze en bombe. Donc aujourd'hui la couze est en tournage, d'accord. Je vais expliquer, maquillée comme des voitures volées. Il est 11h52, il y en a marre, il y en a assez. Donc du coup on est sur le premier tournage. Moi j'accompagne, voilà. Je suis là pour faire du commérage et du congo ça, clairement. Attendez, je vais vous montrer sa tenue. Bon, finalement moi aussi je vais faire la scène mais de dos. C'était pas prévu, mais car de la vie, il y a toujours des imprévus. Là, je suis blanc, juste vous êtes là, vous discutez, c'est bon? Ok, je vais vous discuter pour le moment. Ah, je t'avais dit que. Tu vois, quand elle avait fait ça, genre, elle avait dit du vernis, non? Allô? Ouais. T'es contente? Ouais. Ok. Voilà. D'accord. Bon, la couche, elle s'est changée. Non, mais si, elle s'est changée. Bon, du coup, on est de retour dans la voiture avec la couze. Alors, comment s'est passée la première partie? Explique-nous un peu. Bah, franchement, c'était chill. Bah, du coup, vous avez pu le voir. Non, j'ai pas filmé. Ah. Mais il y a Keblat qui est venu aussi. Il est venu, il nous a dit bonjour. Ah, on se rend au deuxième lieu du tournage. C'est voilà. Ça. Où là, du coup, là, Keblat va être dans la scène, tout ça. C'est ça. Et puis voilà, quand elle a changé de tenue, elle s'est habillée. Vous voyez un peu en streetwear. C'est ce qui m'a habillée. Donc, vraiment, là, bien sapée, bien mignonne. Vraiment, on aime beaucoup le truc. Le temps, il passe archi vite quand même. Parce qu'on est sorti de la maison quand même à 10h. Et déjà 14h là, en vrai. Il est 13h51. Ouais. Ouais, il va être 14h. Il est 14h là, ça y est. Et je crois qu'il nous reste encore deux scènes à deux endroits différents, je sais pas trop comment ça va se passer. Mais en tout cas, toi c'est bon, là très bien, pas stressé. Non, déstressé parce qu'en plus dans la première scène il y avait la couze, même s'il était de dos. Donc franchement c'était grave marrant, on racontait que de la merde, mais bon ça fait du bien. Quand il y a la couze, je me sens un peu en sécurité. Bon, tu es pas à l'aise. Mais en vrai, de vrai, c'était vraiment pas prévu que genre je fasse la vidéo. Carrément ils pensaient que j'étais là pour filmer, mais pas du tout en fait. Pas du tout vraiment. Mais là la couze elle a vraiment d'être ça. Vous allez voir ça sur le clip. De toute façon quand vous allez voir cette vidéo, le clip il sera déjà dehors, vous allez voir que ouais. La couze elle est trop stylée. Regarde c'est qui. C'est un vlog, c'est pas qui blague ça. Ah ça c'est rien vrai. Faut pas casser ça hein. Non t'inquiète, ça va bien se passer. Ah, c'est bon. Non t'inquiète. Ok, juste moi bien fort parce que ça va vite quand t'as plus trop fort. Ok. C'est bon. Bon c'est bon. Aïe aïe aïe, si tu fais un pet. Ah ça aïe. Tu vas déjà donner l'argent hein. Parce que je crois que vous pouvez aller. Ah, ça, la voiture. Ah, ouais, il est dans les pétages. Ah, ouais, je peux pas montrer la plaque, mais là, il est là. Il conduit quoi. Regardez, moi, je vais conduire ça, les gars. Dégage, quand je vais conduire ça. Même si ma petite douce, moi, je vais aller fuite. Là, on est arrivé au deuxième lieu de tournage. Donc, c'est dans une cité comme ça, dans Paris. Attendez, je vais rejoindre la couze, elle est rentrée dans un bâtiment. Parce que je vous cache pas qu'il y a du vent, il fait froid. Genre. Elle va faire une scène où elle sort du bâtiment. Et qui Black lui donne les clés de la chambre. De la voiture. Donc là, elle a fait des petites prises. Ah, on voit que dalle. Mince, on peut pas voir, les gars. Mais en tout cas, j'ai vu. Normalement, t'as fait du bon boulot, la cousin. Rumba du ghetto. Ah ouais ouais. Bon la coup ça s'est bien passé. Elle est bien en mode carré. Ouais, t'as plus froid, ça va. Vraiment rumba du ghetto, j'ai vu, c'était un peu comme ça. C'était bien. Ouais, c'était bien. Ah ça. En fait, ça c'est les fans de Keblat qui sont là. Bon, tout à l'heure il a donné un peu. Il est super agréable, il parle. Ouais ouais. Voilà, c'est fun. Il donne même l'argent. Ouais ouais. Allô. Il y a un petit sac là, du chien. Tu as acheté ça quel jour? C'est mon cadeau en fait. C'est ton cadeau? Ouais. Ah ouais. Hein ouais. Je ne peux pas te dire, mais c'est mon cadeau. Dans 20 minutes. Vas-y, bah, donne-leur des sandwichs. Oh, non, merci. Merci beaucoup. Merci. Denouri. Ah bah on repasse ici. On doit t'avancer avec elle. Il y a un sandwich. Je sais pas, il a plus, je sais pas ce qu'il a pris. Il y a que des mafiches. Non, ça c'est un truc double cheese, tu veux? Vas-y. Merci la couche. Merci la couze, merci, ouais ouais. Tu veux que tu fais un sandwich? Tu aimes les nuggets hein. Ouais t'inquiète, manger.
Kéblo, quand tu parles, tu parles un peu comme sur haut-parleur, quoi. Hein? Là, tu parles un peu comme. T'es un haut-parleur ou. Ah ouais, t'as l'air moi j'aime là. Tu connais un but de parler fort. Hein. Tu parles fort, hein, pour eux, hein? Nous sommes des Congolais. Les Congolais, on parle fort. D'accord. Ah oui. Là tu parles vraiment pour tout Paris quoi. Pour tout Paris, tout le monde entend du bien. Je te jure, je mange pour le kiff. Hein. Je mange pour le délire. Vraiment, je mange pour le kiff parce qu'on me propose la graille. T'es mal dans mon oeil parce que les hommes ils ont pris chapeau. Et toi aussi, mange, tout se passe bien. Historique. Hein, historique. Historique. Chérie à salam, salam. Mère à palais. Maman na banana. Balingito kabwana. Donc on arrive au deuxième lieu de tournage. La cousine a refait ses boucles là. Toujours ouais parce que ouais, c'est un clip quoi. Donc bon, faut qu'elle soit trouvée en bombe. C'est ça. Quand t'es coiffée, tu te coiffes tout le temps, sans problème, sans chichi. Ah ouais, tu es vraiment bombe la cousine là. C'est chaud, c'est chaud, vraiment des gars. La cousine, ça va au tournage. Hein. On dirait même un moubeng qu'elle voit. Il y a beaucoup à manger la sœur. Ça te donne envie. Ah ouais, ouais. Yo Yonin Kaba. Quel tournage. Ne mange pas la sœur, tu es là pour faire de l'acting, faire la belle. Je veux pas que tu vois avec le riz de la bouche. Il a dit on va manger. Ah, il a dit on va manger. Lui-même il doit faire des plus bas. Comment il peut faire des plus bas qu'il mange en même temps? J'ai hâte de voir ça, va voir. Et même il y a déjà des clients. J'explique, on est à Bina Masai. Et en fait, là, quand on est arrivé, le restaurant, il était fermé. Mais là, le restaurant, il commence à s'ouvrir. Le restaurant, il a ouvert à 18h35. Même pas 10 minutes après, il y a au moins déjà une dizaine de clients qui sont montés. Bon, fin de tournage, c'est bon, c'est officiel. Applaudissez, venez, on applaudit dans les fils. Applaudissez, ouais. Bon boulot, tout le monde, bon boulot. Bon boulot. Hein. Vous avez bien bossé aujourd'hui, hein. Vraiment, une note 10 sur 10, qui est blague. 10 sur 10, c'est même 11. 100 sur 10. 100, ouais. Bah, du bon boulot. 50 sur 10, c'est bon, moi, ça me suffit. Toi aussi, 100. Toi aussi, 100. Ouais, travail de cuve. Ah, mais ouais. Bon, j'accepte. Vraiment. C'est qui passe le montage. La semaine prochaine, hein. Ça va aller vite, il a dit. Ah, faut que ce soit rapide, là. Rapide. Ah, il faut enchaîner ça. Hop. Semaine prochaine, c'est dehors. Ah oui, bien, c'est vrai, c'est dehors. Bon, on vient de faire un TikTok. Là, j'ai fucking dead ça. La dead. J'ai vraiment dead. Hein. J'avais eu des bonnes idées aussi. Dans 3 jours. Qui est blague, normalement, c'est dans tes brouillons. Tu sais où les brouillons, là? Là, oui. C'est ça. Ne va pas la supprimer. Mais je sais, c'est ça. Non, non, mais t'as vu, là, c'est nous, c'est dans les brouillons. Ouais. Ah, mais je capte. Ah, tu l'as mis. Non, tu vois, là, tu vas la supprimer. Enregistré comme brouillon. Tu fais tout le temps suivant et brouillon. D'accord? Voilà, c'est bon, tu touches plus. Ne touche pas. On vient de bosser info sur un TikTok là, s'il supprime ça, on va juste pleurer. Jamais aussi des trucs. Si jamais tu peux garder. Si c'est tombé, bon, c'est à vous. Hein. Mais comme ce n'est pas tombé. On a compté, il y avait 37 billets. Comment tu sais qu'il y en avait 37? Je t'ai entendu quand t'as dit 37 billets. Ah. Obama, jamais pas nos babos. C'est ça là. Bon, là je te fais suivant. Comme tu as mais comment on fait Nanana. HLM, BDH, on a connu ça. On a connu t'as ça. T'as un corps de rêve, mais le mental, tu ne sois pas. Si t'as pas d'oseille, viens bosser avec moi. Vas-y, viens. Tu seras ma Conchita. Tous les jours. Tu feras le ménage pour moi. Yes, yes.